Moïse n'a pas vraiment trop de problèmes. Hein? Mais sénateur Azia, ça l'a fait Makasi pour qu'il a se réconcilier. Non seulement entre Nabakatangé, mais avec tous les autres Congolais, Oyo, dans le régime Naé, Basalaki, peut-être pas moi, Bambéba. En tout cas, moi je pense qu'avec tout le courage possible, c'est lors de ce mandat qu'on a tué Chebeya, Matungulu, Kapangala, aussi Mukendi, il y a pas mal de gens. Il faut pas que la réconciliation et qu'elle rien à cadre. Il y a des gens qui ont été calcinés, c'est lorsque lui était chef. Alors, en tout cas, pour la paix, mon thème réellement. Mesdames et messieurs, merci de votre confiance et fidélité à Congo Live Télévision et bienvenue à votre émission Dernière Minute. Dernière minute des séjours, nous avons le réel plaisir de recevoir pour vous Modeste Tchitchi Tchileou qui est vice-président de la section UDPS Batetela. Ok, je dis bonjour. Bonjour mon frère Maxime. Bien portant. Ouais, ça va par la grâce de Dieu. On va essayer de scripter, de faire l'autopsie des différents sujets d'actualité en République démocratique du Congo avec la clôture de ce forum des réconciliations qui s'est tenu à Lubumbashi, rencontre des réconciliations des leaders katangais. Joseph Kabila Kabangé et Moïse Katumbi Tchapoué se resserrent encore le main après plusieurs années des silences entre ces deux personnalités de la République démocratique du Congo. Ces forums de Lubumbashi, est-ce c'était un forum pour l'intérêt de la population, l'intérêt de notre pays, la République démocratique du Congo, où c'était justement un complot contre la République. On en parle. Mais également, la situation sécuritaire reste volatile, préoccupante à l'est de la République démocratique du Congo. Les groupes rebelles du M23 ont attaqué le positionnement de la MONUSCO et de FARDC. Là, nous sommes dans la localité des Rutshuru. Est-ce le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, doit toujours continuer de négocier avec le groupe rebelle? Comme vous le savez pertinemment bien, il y avait de négociations au niveau des Nairobi avec les différents groupes rebelles. On en parle avec Modeste Tchileou, mais également avec vous, vous aurez l'opportunité de laisser le message, de liker ou de laisser vos suggestions au bas de cette vidéo sur Congo Live Télévision. Tout côté directement, la position de mon commandant, c'est Tchileou. Forum et la réconciliation na Lubumbashi entre leader Katangé. Premièrement, premier vinayo, il y a forum et la réconciliation Anna. Est-ce que c'est pour l'intérêt de la population? Est-ce que c'est pour l'intérêt kaka la population Katangé, Stoya ba Katangé d'origine? Ou bien vous avez vu Moussoussou par rapport à ce forum? Merci beaucoup, Ndeko Maxime, pour la parole. Initiative Wana, d'abord, c'est à saluer. C'est une bonne chose parce qu'on ne doit pas vivre en chien défaillance entre peut-être leader, il y a province Moko, ou bien entre Congolais. C'est là où je tenais quand même encore à remercier les chefs de l'État parce que dès son arrivée, lui, il ne fait que prôner la paix. Et il a dit, partout on parlera de la RDC, je serai présent. Voilà la différence entre les régimes Motonamoto Abonga, ou Andevonabiso Joseph Kabila, ou Josephiste, ou régime Nalobarake, Bomangana Boma, Otobomana, des régimes Nabango, na régime Afachi. Ce qui est allé par image, au moment où il y a Kabila, Moïse a allé la RDC, Moussika, il est dans Ngomba. Mais il y a Fati, Afandi, et puis j'ai quand même aimé
son geste, parce que... Et ça, l'initiative, il y a Monseigneur, hein. C'est pas un problème, même si peut-être, admettons, c'est une très bonne initiative. D'abord, c'est à saluer, parce que le président l'a dit, il faut... comme c'est un pacificateur, le véritable pacificateur, il prend la paix, voilà, les retombées à peine. Alors, je voulais dire que ce que vous avez dit, l'image, il y a tant et à Mdekonangaï, Joseph Kabila, les rois josephistes, Moukolo, Régime, Obomana, Bomaoto, Bomana. C'est trop dire, hein, le fait non, de dire que Bomana, Nabomayo. Ben oui, je peux vous montrer, je vais démontrer en haut. Bomana, Bomaoto, Bomana. Les régimes n'abandon. Ce que vous avez dit, Nathan Afati, il y a même certains opposants Katangé qui ont réclamé que les Katangé qui étaient arrêtés. Quand c'est le temps de Gonabiso Bato et le régime Yabomangana Bomaoto Bomana. Donc c'est pour vous dire que Fati c'est un homme de paix. Donc depuis qu'il est là, mais même admettons, parce qu'on veut parler que des deux leaders. Non, au Katanga, il n'y a pas que les deux. Alors, tous en a Muyambo, tous en a Koko Mulongo, tous en a Fifi Masuka. Sylvestre Ilunga Ilukamba. Il n'est pas à dire. Ah bon. Pépé, Azala qui fait. Pépé, il n'est pas à dire. Ah ok. Il n'est pas à leader. Mais pourquoi on veut parler que des deux personnes? Même Sam Aloukonde aussi, un leader Katangé. Ah, il était là? Il n'était pas là, mais voilà. Il est leader Katangé. Mais c'est un leader Katangé. Donc vous voyez déjà que on voulait que ça la nette va comme va tout mon balende ça au dessus va comme non non non. Bangonde bazar la mêlée. Non, ils sont pas au dessus de la mêlée tous. Et quand vous regardez beaucoup de situations, c'est les deux personnalités là qui sont à la base yamakamu ebele les gars qui. Ce qui n'a pas aussi beaucoup rappelé ngai. Lorsque vous parlez de deux personnalités au Bazali à la base yamakamuana. Notamment, il faut tout le bango clairement. Mmh. Aujourd'hui, il y a Moïse Katumbi Tshapwe, il y a Joseph Kabila Kabangé Oyobango. Après plusieurs années de silence entre ces deux personnalités, paroles n'ont pas été soutenues. On m'a soulevé les qui sont au côté. On m'a dit que Talana, en chaîne de défaillance, on m'a dit que bêtement, on m'a dit entre bango bibale. Mokolo Yalubi, tout le monde, bango, Basili Koyambana, Baseki. Tout le monde est ferveur, il y a tout le monde qui est sale, qui est là. Quel sens tu as dit que tu payes ça dans la réconciliation avec les personnes? C'est pourquoi j'ai dit que Fatih Béton, vraiment, n'a pas de problème. Parce que pour certaines personnes, c'était impossible. D'accord? C'est pourquoi j'ai dit, maintenant, ça c'est l'image où on va refléter. Mais maintenant, reste à voir dans le cœur de chacun d'eux. Est-ce que Bafongo limité ma par rapport à ce qui se sont fait? C'est pourquoi j'ai dit que la réconciliation, il fallait tout le monde. Il ne fallait pas privilégier Bakomomi Balé. Le Katanga n'est pas Moïse et Joseph Kabila. J'ai parlé ici au Katanga, tout ça n'a pas tout le coup là-bas, Moutombe, Péaï de Pes Bazali. Tout ça n'a pas Koko Moulongo Bazali. Tout ça n'a pas Samalou Konde Bazali. Tozali na ba Muyambo Bazali. Est-ce que toi qui connais Yango? Mais pourquoi est-ce qu'on voulait privilégier quelque part les noms de deux personnalités? Ah, parce que Mabeu et Salema Kizala qui m'a cassé mingi. Et puis Mutoyebi Sakabiso qui est nani? Mabeu et Salema Moïse Zaza Jida. Mutoyebi Sakabiso qui est Moïse Zaza Jida. C'est le sénateur à vie de Sakabiso. Bon, donc c'est peu le local, mais nous espérons que il faudra réellement que si nous avons la paix et continuer, que ça soit réellement sincère. Il ne faut pas que ça soit pour la consommation ou pour les beaux yeux de certaines personnes. Mais il faut que ça soit le vrai. Et, en tout cas, quant à nous, l'UDPS, on encourage une initiative. Il y a bon moment, il y a un élargir. Il y a un Fifi Masuka, il y a Muyambo, il Koko Moulongo, Banani, tous ces gens. Donc, on a eu moni, mais quand on parle de Katanga, ce n'est pas deux personnalités. Au Katanga, il y a beaucoup de leaders, quand bien même il y a des tendances différentes. Là, on ne peut pas nous dire le contraire. Moïse Katumbi, oui. Muyambo, oui. Koko Moulongo, oui. Wit Moulongo, Pe Bazali. Tout ça, na ba Premier ministre Samalou Kondazali. Pepe Azali.
côté au mususu ça na sénateur Azi Joseph Kabila na ba tu mususu ba Janet Kabila toza na ba mususu oyo bon bon il est leader hein, parce qu'il est député adapé leader oyo azaki ministre de la santé wana hein Oliluma non pas Oliluma c'est un du Kasai l'autre ici celui qui a laissé la barbe comme l'ancien le sénateur Azi celui qui était ministre de la santé Kabange Numbi voilà. Il est payé, ça c'est pas ça l'idée d'un dégâts. Il y a des députés, même s'ils jouent au troubadour. De coup, Modeste, est-ce que ces blocs qui se reconstituent, qui se créent, ces blocs qui se forment entre Joseph Kabila, Moïse Katumbi, est-ce que, et comme il y a eu sa matière, mon corps à réflexion par rapport à ces blocs? Non, on ne peut pas avoir ça. En tout cas, moi, en tant que. Un des membres de l'UDPS, ça nous fait du bien. Dans le bagage, on a émission les caca. Nous pensons que Fayoul aussi va, hein, après, bah, Nini Amatata Pogno et les kaki, il va au moins se confirmer. Naïb Sarabino, on connaît de quel côté il est. Les lots, il n'y a pas de doute qu'il est derrière les Raïs. D'ailleurs, c'est bien. Nous, l'UDPS, dans le bagage, on a apprécié, mais on a appris. Vous comprenez? Donc, tu lingi parce que tu vois, il y a un peu de temps, tu as tout royo, et comme, oh, élection, oh, vérité des urnes. Non, non. Tu as la fatigue, mais tu as gagné, tu as gagné. Il y a un peu de temps, tu as gagné. Tu as apprécié. Tu as calmé. Raison pour laquelle tu as 37 ans, il y a patience. Tu as osé la gagne. Oh, des combines, oh, ça. Non, non, tu as préparé, grand-maman. Et puis là, nous sommes en. Tu as préparé. Mais on ne va pas beaucoup parler, hein. Vous allez voir, beaucoup vivre en haut. Mais je sais que, comme on dit en politique, hein, rien n'est impossible. Mais bon, on a évité, hein, ceux qui Raïs n'a pas appuyé Moïse, ceux Moïse n'a pas appuyé Raïs. Bon, jusque là, personne ne s'est prononcé à part Matata Pogno. Mais, ils ont l'ingé de bon. C'est pas aussi une façon pour le. Si, il faut le. D'essayer, il y a qu'au dominer. Na République démocratique du Congo parce que selon les objectifs, selon les objectifs, oh yo bah atteindre il faut les Katanga les vulgariser le biais était il faut représentativité massive il y a bah Katanga mais c'est pas un problème de des institutions mais non ils sont libres de réfléchir de penser comme ils veulent les Katanga n'est pas le Congo les Kasai n'est pas le Congo les Kisangani n'est pas le Congo l'Équateur n'est pas le Congo. Bon, je parle de l'ex, hein. Le Kivu, le grand Kivu n'est pas le Congo. C'est bien ce que Bazou initiative, va s'entendre, va l'oukabarani, va vous allez député, et ainsi de suite. Mais côté Kuna Likolo, tu sais, tu vas déjà. On a trouvé un mot d'avance. Dans Likolo, on a d'abord trouvé un mot. Tu sais, tu as un cadre à député. Naïb Sarabino, on a un député au Baza Kuna. Ce qui veut bêler la Kozonga sur les 500. Na évité ceux qui vont le cas 50. Bah division sur Bazar Kuna. Na lui tous ceux qui sont là. À l'Assemblée nationale. Na palais du peuple. Na comme des députés et même y compris les sénateurs. Hein. Parce que les sénateurs ça partir des députés provinciaux non. Débako avec trois députés je crois vous avez droit à un sénateur. Il y a on a évité ceux qui oh va causer un bélé. Ceux qui va causer la moins un bélé tant nous sommes à 50. Donc c'est une confusion. Non 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 on se prépare. On se prépare. On se prépare petit à petit. On se prépare petit à petit. Mais, en tout cas, il faut saluer l'arrivée de Fatih Beton. Parce que les lobos, comme on a dit, ce qui était impossible, et comme impossible. On m'a dit, Raïs Alongwe. Ah, non, Raïs, c'était pas ça, Raïs. C'est pas comme un sénateur à vie. Les sénateurs à vie, Alongwe, Penana, Kingakati, Ti, Katanga, Makiwa Koutani Namoui. Ce sont des bonnes initiatives. Mais qui basala y a un esprit à bien comme on le dit hein basala y a un esprit à bien et positif et qui ouvre réellement leur cœur pour que Bayo Kana Fatih de la paix sur toute l'étendue de la République. Koyo Kana Bango ils vont mettre à mal Fatih te bah on tient mal parce que aujourd'hui non parce qu'aujourd'hui côté là Moïse Katumbi Oazali na union sacrée le même Moïse Katumbi lelo Azali n'a bloc patriotique. Kabila, Azali n'a bloc patriotique.
Non, Moïse n'a jamais adhéré à bloc patriotique. Moïse Katumbi. Non. Bazali na bloc patriotique nous commande des études. Mais il faut pas faire. Mais en tant que sangana na bango. Bazali sitine on Bazali sitine pour na marabu ya paix du peuple. Il y a loi de toutes les façons. Mais c'est Moïse menace en tout cas en tant que responsable politique, il doit être sérieux avec lui-même. Parce que dans la vie, tu ne vas pas dire que Nalia ka sosoté mais au lieu les papou à soso. Attends, ça c'est pas embatté, mais au lieu les papou à soso. On lui n'a rien à sosoté. Mais c'est vraiment aberrant. C'est vraiment aberrant pour lui. Hein? Ah, ça l'a vraiment clair. Ce qui a ligné, à tout cas, il y a un agneau sacré, ou bien ce qui a ligné, il est libre. Tu connais tout le temps, bien dans un système. Tu comprends? C'est pourquoi moi je t'ai dit qu'au Katanga, il n'y a pas que eux. L'IDPS existe au Katanga. Tu as appris à tout le monde, tu as lié. Bah, tu as parti à ya INC à Kamere Bazali, bah, tu as bâti Bazali, d'abord Bissonion Moko IDPS Tozali, bah, Fifi Masuka Bazali, bah, Kiaboula Bazali, il y a beaucoup de temps. Donc le Katanga n'est pas acquis, Kakana, bah, tout le monde, Moïse Katumbi, Joseph Kabila. Mais partout. Mais c'est partout. Est-ce que dans Kinshasa, il y a que l'IDPS? Hein? Même si on a bien que les anciens ayant droit à PPRD. Hein? Bon, même si ça va être une manifestation, tu n'as pas osé la ligne pour l'art de la ligne. Mais où est-ce que c'est la Sitine? C'est une manifestation. Est-ce que Sitine est acquis à PPRD? Il y a bloc patriotique, bazar ou non? FCC. T'as là. L'impère a résisté jusqu'en 2016. Fatih est au pouvoir il n'y a même pas 4 ans, PPD et Bungi. Est-ce que vous allez réfléchir? Tu es comme en 2023. Après 2023, que deviendront ces gens-là? Bah, qui ne pensent pas que. Et puis, il y a ce pays dans la loi. Wana. Maramolisus, il y a l'iconda. Oh, point barre. L'iconde où tu es? Oh, bah, député, on va quitter. Tu ne peux plus distribuer l'argent. Ce que vous êtes candidat, n'a pas tourné, tu vas te dire, oh, et comme il n'y a pas la corruption morale. Non, non, excusez-moi. Hein? Et comme il n'y a pas la corruption morale. Il y a une édition, ce qui est belé, il y a un temps sur 50. Et belé, tu as vu pourquoi il y a un. Non, mon ami, IDPS, vous allez commettre ça vraiment un ordre utile de bataille. Au-delà du fait que Moïse Katoum a fait. Non, 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 Joseph Kabila Zaliwana. Écoutez, les sangs bon nga zaliwana matin zaliwana mais non mon comme confiance pour boire une assurance mon totale comme si il y a quelque chose qui s'est déjà préparé. Yo kanga bien, est-ce qu'il y a un candidat qui avait l'appui des gens comme Fayulu avec même les médias internationaux? Mais to beta ki awata ko imakale kale mais ce qu'on a ngambo kuna. Hein? Candidat na bango wana ya kala ndakala ona benga ndakala iba ndakala ba mbiso ya mike avec tous les moyens avec l'argent to lié hein ta ona siko tozo bune siko ya wa to fani samakamu ya bona lobaki ya biso za presser te metoza pre donc ma tata pour une banque c'est noté. Oh di ce n'est pas le fait ya boiba ce n'est pas le fait de prendre l'argent ya république. Ok, quand on a l'université, ce qui n'est pas une mauvaise chose. Dans la province, le bio est candidat. Si peut-être il avait fait, à ton niveau à l'université, dans la province, Yosu, peut-être ça, hein, ça pouvait un peu coller. Mais là, ma tata, on est à la poids mouche pour Nabiso. Moi, je suis à la poids mouche. Azalaka. Pas au Tikara. Mais, mon décès. En tout cas, Nakawana. Aux assassins ignorés qui étaient. En Afrique aujourd'hui, comme ma président, il faut avoir l'appui de la communauté internationale, bah, occidentaux, copteo. Ma information était, ma tata Ponyoma Zali, très proche de la communauté internationale, c'est un enfant de la communauté internationale. Qui vous a dit ça? Qui vous a dit ça? Mobutu avait l'appui de la communauté internationale. Il n'est pas parti. Qui vous a dit ça? Kabila travaille avec la communauté internationale combien d'années? Qui vous a dit ça? Les premières élections, Kabila est passé. Malgré que Toyebi m'a ramené, Nayami Balé Petoyebi, la communauté internationale était là.
Est-ce que, c'est pourquoi je vous dis, il y avait un candidat qui avait le soutien de la communauté internationale comme Fayoulou. Non, il ne faut pas se voiler la face, mes amis. Bissot toujours compté quand la communauté internationale. Oui, ce sont des partenaires, mais Bissot lia bangouawa na Congo. Bon, lia bangou avec quel bilan, avec quelle réalisation, en avec quelle action. D'abord, le fait que action au Bozaligo sala lelo. Merci beaucoup. Avec cette gouvernance. Merci action, beaucoup. Action, est-ce que Zaligo mais ça bah trace moro indélébile au routier ou bien des années bah action mon registre éphémère au bah le bel et en côté. OK. Aussi ici. Moïse Katumbi. Bilan, passeport, ça fait partie à bilan Abisso. Sa présence au Congo, ça fait partie à bilan Abisso. Attends, non, 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 excusez-moi, Nassili, ça va se belete. Comment tu as dit quoi? Il n'y a qu'à tu allez libre. Le fait que Bagué Okutanana est un sénateur à vie, et ça n'a qu'à tirer bilan Abisso. Parce que la bilan est un sénateur à vie, Okutanana. La bilan, c'est quoi la fatigue béton, Okutanana va solo. Na kadre ka ya bilan ya nini nini edi ka penda za libanda. Na kadre ya bilan ya makambo ebele, shebe ya oba bomaki makamutu etuma mse esilite ya de kondane. Na kadre ya bilan ya Fatime Eto, etan makambo ebele ba Frank Diongo, ba Diomi Ndongala ba za libanda. Donc ba kote kuna soni na bandiko tanga okolemba. So ki toko tiko tiko bandela, oh terre jaune, depuis bo ebele aka yango. Le logo kumo yoka. Hein? T'as là, ils sont belés. Mais vous allez calmer, vous voyez. Avant 2023, vous vous sentir. Vous êtes vraiment malade. Vous êtes allé vraiment. Vous êtes allé dimater. Parce que vous avez dit qu'autant, hein, autant qu'il y a certaines. T'es sûr qu'il y a un coach au lobby. Autant qu'il y a certaines actions, oui. Mais parce que vous avez un bilan. Bilan, c'est pas pour la cause. Au-delà du fait que vous avez dit qu'autant à la réalisation, vous avez dit que 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 vous mais qui concerne Kokosonde, bah il moka, bah c'est comme on aura comme si il y a un sanguin pas, il y avait un problème communicationnel, il y a eu un problème de communication, je crois les porte-parole du chef l'a dit, bah ça qu'on met qu'à qu'on revoit, donc on est allé en haut face à face, vous comprenez? Même quand il parle, oh, mais les gens confondent des fois, hein? Bah oui, mais la marambo sociale, oui. Les enfants, mais aujourd'hui, gratuité enseignement pour le Beliango. Candidat à Bango valable, oh, il va y avoir une gratuité, c'est comme si Babandango quelque part. Et tu as la canne à Moutou la Bango. Gratuité. Quand bien même il y a toutes les choses, petit à petit. Hein? Un jour, aujourd'hui, tu mets une autre, ainsi de suite. Bisso, tu es allé. Bah acte, bah action dans l'histoire. Donc est allé à moi. Hein? Au début que, na évité ceux qui na classe, moi qu'on a monde, moi non y a échoué, qu'on va payer ça y est cadeau. Au second mot? Ah bah payer plutôt cadeau. Ok. Cadeau est allé boy. Nani a zuité ou ben des nani. Sénateur a vie. Sénateur a vie a sali combien d'années na pouvoir? Au cas qu'il y a zala qu'il y a troisième vice président y a Union africaine. Fati Beto a côté Kaboui Maramoko 3e, 2e. Et puis il y a un azuyo yo atiko. C'est pour vous dire Batika, Batika Bamburima. Les gens ont un rapport à l'Obéla. Mais vous voyez, il y a trop de la diplomatie au sein de l'Union africaine, il y a trop de la diplomatie. Mais je ne sais pas, il y a des gens. Il y a des gens qui ont la diplomatie, la prouesse des alliés. Il y a des diplomaties à l'Obéla. Il y a des gens qui ont été baqués. Mais vous avez informé. Moi, je me dis que je vais couper 5 milliards et demi. Vous voyez bien. Oui, oui. Ah, agriculture, ainsi de suite. Dans le secteur agricole. Voilà. Donc, il y a Malembe. Naïbi Sibino, 2023, la TBE va au Bunga. Si on veut mettre la décision, heureusement, le régime passé, il y a Bomangana, Bomaoto, Bomana, Batike la Bissot terrain. Donc, Kolia Massang, Bolia, Manioko, Bolia, Biloko Nyonso. Moi, 2028, non, on commence déjà. Priorité de priorité vraiment, c'est quoi, c'est l'agriculture. Comme ça, si un Congolais mange, c'est pourquoi il y a eu beaucoup de problèmes. Il ne faut pas qu'on endorme les gens. Il y a des histoires qui pourrissent dans les villages, hein, parce que les routes ne sont pas en bon état. Donc, il y a un moment qui priorité d'abord, tu fais un livre à voix, au Kiko Bimawa, malem, malem, papa, na tongo, na poko za na lumbashi.
Tout ça, ça. Il faut les voies de communication. Moi, Barou, t'as des certes. Voilà. Et puis, on est allé au ministère, il y a. Comment il y a. Ah, j'ai oublié le nom. Ministère Agriculture. Non, non. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Prendre les histoires que tu as en barter, ou permettre que le grand camion est transporté et maman on dans un grand centre urbain ou ainsi de suite. Mais il faut commencer par que ça d'abord Mandela Wana et puis entrer vraiment dans les fins fonds que bon ça Mandela ainsi de suite pour qu'il y ait cette facilité. Vous et moi, vous, nous le savons qu'il y a des histoires qui pourrissent à l'intérieur. Cela est dû à quoi? Parce que les routes ne sont pas vraiment très en bon état. En bon état. Et ainsi de suite, mais nous pensons que petit à petit, les choses vont. Avant de sujet, Moussousou, conseil n'y a pas à Joseph Kabila, au groupe à Moïse Katumbi, par rapport à ces blocs que vous avez créés à Lubumbashi. Bon, le seul conseil, ma félicité Bango, mais l'enseigne Bango, si cet acte qu'ils ont posé, les as sincères, va fonctionner vraiment mutuellement. Qui s'entendent entre eux et qui se réconcilient aussi. Bon, Moïse n'a pas vraiment trop de problèmes, hein? Mais sénateur Azi a ça la paix Makasi pour que à se réconcilier non seulement entre Nabakatangé mais avec tous les autres Congolais Oyo na régime na basala qui peut-être Mambeba par exemple. En tout cas, moi je pense qu'avec tout le courage possible, c'est lors de ce mandat qu'on a tué Chebea Matungulu, Kapangala, Rossi Mukendi, il y a pas mal de gens. Il ne faut pas que la réconciliation et tu calera en cadre. Non, pardon, il y a des gens qui ont été calcinés. C'est lorsque lui il était chef. Alors, en tout cas, il faut la paix Moutema réellement. Et vraiment, va s'inscrire vraiment dans la voie, il y a paix. Et puis, il y a pour ça là, qui émergence à Congo et salement, comme le chef le dit. Merci beaucoup, parlons-en. À présent, na Makambuitali, situation sécuritaire à l'est de la République démocratique du Congo. Toki ndekuna Ituri, kuna Kodeko, ADF, Aniata. Tozonga na nord ki voit na ba Rutshuru, na ba Beni, nyonso kuna M23, Raia Mutomboki, ba nyonso. Na nuit ya dimanche ndeko modèle Chileu. Ba rebelle ya M23. Ba sili ko attaquer ba positionnement ya FARDC. Na Monisco, jusqu'à où tu rekende na bah cette guerre, bah conflit armé créé par des groupes rebelles opérant à l'est de la République démocratique du Congo au moment où Mokonzi Mboka na souci na que bah im Congolais bazwa ki minduki parce que ko tika minduki paix et à la restaurer à l'est de la République démocratique du Congo a kenda ki na Nairobi kuna na table ya discussion avec ces rebelles. Qu'est-ce qui explique qu'aujourd'hui, M23 va attaquer le positionnement, même à Monisco? Non, il ne faut pas biaiser un peu l'information. L'initiative du chef de l'État, je viens de vous dire, c'est pourquoi nous saluons l'Union et Salim à Lubumbashi. Mais à moins que ça soit vraiment sincère et sans mauvaise connotation ou pensée, mauvaise ou bien, mais pour le reste, en tout cas. Les Anini, chef de l'État, parce qu'il veut que les Congolais se parlent entre eux. Hein? Qu'il n'y ait plus de quoi. Mais je crois que vous vous souviendrez que l'M23 a été chassé. Des tables de négociation. Voilà. Quand vous voyez l'M23, on ne peut plus se casser la face aujourd'hui. C'est les Rwandais qui est derrière ça. Et quand vous voyez les M23, on connaît ma parrain à Bango Bazana Kinshasa. Vous comprenez? On connaît. On ne peut pas citer les noms, mais on connaît. Qui sont à la base. Heureusement, aujourd'hui, on les avait chassés à la table de négociation. Vous venez négocier en attendant pour vous arranger pour attaquer. On les a chassés. Mais pourquoi est-ce que le groupe rebelle Moussoussou Baya qui va attaquer M23? Et heureusement, aujourd'hui, je me réjouis, il y a Koka Monisco et Tangi M23 nommément. Alors, vous allez voir qui sont derrière M23. Attendez, nommément pour mon collègue Lelo, attaquer Pénalé. Non, même la fois passée. Vous avez été épargné. Non, même la fois passée, c'était ça, mais il y a un moment d'enquête. Mais là,
Si tu as dit que tu bien. Hein? Au moins maintenant, on doit avoir le même entendement, la même vision, la même façon de voir les choses et qu'il n'y ait pas de couacs, des zones d'ombre. On connaît maintenant qui est notre ennemi commun. L'M23, bon, le coup de la guerre, préparez-vous. Comme on dit, qui aime la paix, prépare la guerre. Nous, nous la préparons aussi. Vous préparez la guerre ou bien vous nous êtes... Nous savons vous qui êtes, est derrière vous. Vous êtes prêt ou bien vous préparez la guerre? Parce que attaque et Zarana réaction. Ndeko Maxime. Ce réaction, il faut ça muscler. Ce n'est pas les Rwandais qui peuvent nous faire peur. Telle que soit la situation, c'est que si beaucoup ne le disent pas, les Rwandais ne peuvent pas nous faire peur. Même, on connaît qui était derrière les Rwandais. Attention. Tout le monde a dit que il faut banda abandonner au Kanisa. Que deviendra le Rwanda après lui? Parce que si vous suivez, le Rwanda a eu des problèmes, pas toujours avec le Congo, la RDC, le Burundi, l'Ouganda, Tanzanie, Banin. Alors, tu es qui? Je pense que le seul conseil que je peux donner à Kagame, c'est de penser au Rwanda après lui. Est-ce que vous pensez à ce jour qu'on peut en finir de commander c'était dans M23? L'M23, c'est rien. 2008, 2009, M23, Vassili, Balimoué, Bassi, déclaré, Vassili, déclaration. Non, mais vous savez pourquoi? Parce que envoyé, parrain. Répondissement, force. Il y a eu ce semblant parce que les parrains du M23 étaient dans le gouvernement de Joseph Kabila. Les parrains du M23? Bah, c'est un gouvernement Kabila. Oui. Banane. Ah, oui, bah, on va dire Bélé. C'est un secret. Depuis Balongwe, on m'a dit M23. Depuis Balongwe dans le gouvernement, on m'a dit M23 réapparaître. Mais, tu as aussi les Anabango. Bayeba. Les tireurs de ficelles là. Il y a ceux qui sont à Kinshasa. Maintenant, l'attaque, ils allaient travailler. Bah, Moussou, dans l'Afrique du Sud, ainsi de suite. La Monisco, opération autour. Non, maintenant, au moins. On ne pleurniche pas, on a eu le temps de dire voilà l'M23. Mais au moins, les lots, le qu'on appelle Monisco et Lobby, Monisco, on voit la communauté internationale, non? Derrière. N'est-ce pas? Au moins, avec toutes les preuves, Sikoyo, on a voilà ces gens. Est-ce que vous avez entendu des mentines à Bango? Non. Derrière moi, le gouvernement n'a rien dit jusque-là. Mais la Monisco s'est prononcée. Donc, le fait que Monisco, d'abord, il s'est prononcé. D'abord, Siko est là qui dit que les choses sont claires, clairement définies. Maintenant, nous attendons la communauté internationale, parce qu'il y a une partie de la communauté internationale qui tirait profit par rapport à cette situation. Mais, à chaque chose, son temps. Et nous pensons que, Makamoussou, on a essayé un peu d'avancer. Et on connaît même beaucoup de chefs. Ma situation est démêlée parce qu'ils ont perdu des élections. Pour l'élection, c'est la matière. Insécurité, les élections, nous allons organiser les élections. Et nous allons vous gagner. Mais ah oui, Fatih. Fatih Albi, non. Mais faut, nous demandons la première élection. Ils ont organisé la fin de 2018. Tout le monde est bien. Les élections seront organisées que par le gouvernement congolais et pas des interférences. Ingérence. C'était ça, non? Mais fils, au Fatih Albi, non, non. Moi, ingérence, c'est Boya. Bon, au moins, on a mis sur la bino. D'abord, on a dit qu'il est président. Oh, élection. Oh, à quoi il voyait? D'abord, c'était oh, c'est un pantin, c'est un placebo, garçon de course. Après, on a commis oh, est-ce que ce monde, garçon de course, a commis dictateur? Un dictateur. Quelqu'un peut être dictateur sans avoir le pouvoir. Des mensonges qui se sont, qui étaient préparés dans des officines pour venir saper les noms de Borbas Fingier. Ils ont parlé de ce qu'ils ont dit. Après, comme il est dictateur. Ah bien, papa. Dictateur sans pouvoir.
Ce que vous avez oublié, c'est que vous avez dit aux gens. Un dictateur sans pouvoir, tu vas dicter quoi? Mais c'est qui on... Pourquoi Mobutu m'a qualifié d'un dictateur, a dirigé Mboka pendant 32 ans, une dictature. Voilà. Kabila le père, il n'est pas un dictateur. Ah mais les gens l'ont dit, parce que le fait qu'il est arrivé à suspendre à suspendre l'activité politique Nyonso, ça c'est un signe de dictature. Et bon Joseph Kabila, il n'est pas un dictateur. Ah papa, bonjour Salaman Amagam. Si qu'on sait un dictateur, tu es capable de couffiner. Un dictateur? C'est bien à couffiner. Ben l'élection, il fallait que Salim en 2016, Salim en 2018. Ce n'est pas la dictature. Et vous, Félix, il est mort. Quand il est là, il est dictateur à mon néné. Chadar, il est dictateur. Vous allez dire que le coup de mambo, il est dictature. Il y a ma casse. Mais au moins, il est dictateur. Mais au moins, il est dictateur. Mais au moins, il est dans la télévision. Il est dans la télé. Et puis, il n'y a pas de temps à faire la télé. Est-ce que soyons sérieux? Atabana na bangusu ba fandi. Ah oui, c'est papa. Mais comment on le voit qui on est à solo? On connaît. Ils ont le voir à Kala. Na kanisi. Ils ont le voir prophète politique. Mais ils ont le voir à la mouko bozo monotango ba bozonga. Bemba bozala côté mouna Moïse. Fayoulou côté mouko wa msuwa rolongo. Et ça les mis dessin. Si ko lolo na robete lo lissolo. Son ningi. Toko ta lissolo ya Fayoulou na mouzitu. Mais na zawa na te. Bisous, tu as la donné, tu as analysé, et puis tu as les projections. Tout ça, les projecteurs avec des arguments solides. Mais on n'est pas là pour faire la publicité de certaines personnes ou à policier Moussoussou. Mais nous le répétons, nous, l'IDPS, nous sommes prêts. Est-ce qu'il faudra changer des stratégies dans l'Est de la République du Congo par rapport à l'état de siège? Là, ce sont les gens qui profitaient de l'argent, là. Mais bon, vous avez dit peut-être des sièges, on peut se dire... Je vous informe que ces gens-là, la plupart ils ont délégué leurs femmes ici à Kinshasa venir dire qu'ils ne voient pas la raison d'être à l'état de siège. Mais pourquoi vous faites modeste? Vous êtes donc fini. Avant l'état de siège... Carnage, c'est l'ami où l'état de siège est allé. Avant l'état de siège, vous avez fait les gens mouraient. Quand il y avait le gouvernement de Pepe Ilumukam, non, qu'on s'entende. Le gouvernement de Pepe Ilumukam, tu vas quitter. On connaît. L'insécurité, on ne peut pas. Partout dans le monde, il n'y a aucun pays qui a sécurité zéro. Et ça l'a raté. Même aux États-Unis. Mais, nous savons que. On ne peut pas faire tout dans le premier mandat. Vu que d'abord que les deux ans, il y a méchanceté, il y a régime au Mangana Bouma, Auto Boumana, ils nous ont fait passer du temps pour rien. Donc aujourd'hui, on peut dire que Fati a travaillé, on peut les juger au moins à partir il y a un an, il y a gouvernement, il y a Michel Samalouko. Un bilan satisfaisant, selon vous. En tout cas, les actions que j'ai vues, parce que dans le gouvernement, nous sommes dans mon avis. Au moins avec Samalou Kondé, on a dit, réalisation. Vous allez voir, il y a des choses que vous n'arrivez pas à voir. Malembe, malembe. Nous vous disons, biso toko sala nini na biso. Ta ya campagne to bandola kisabino, to sala kiboye. Et ça y a solo to lukuta. Deux. To sala. Donc vous avez un bilan. Non, nous sommes venus avec la démagogie. Vous critiquez Bino IDPS, vous avez un bilan représenté en 2023. Mais vous avez un bilan, Zali. Non, mais tant qu'on a lobby, on a pêché d'abord, il y a mouqué, même pas 0,5%. L'arrivée de Moïse au Congo, ce n'est pas notre bilan. Jean-Pierre Bemba est ici, calme, en paix. Ce n'est pas notre bilan. Les tout-puissants Kalev qui passaient à Zan aéroport, Yozali Awa, Kalev Azoya, l'unique moutou à sécurité dans le monde. Qui était connu depuis que le monde est monde. Aujourd'hui, il est où? Aujourd'hui, il est où? Bon, Alissou, Baba, Jérôme Bani. C'est parmi les bilans. Donc, classé à vous selon des domaines, Sikoy. Domaine sécuritaire, social. Parce que le social, il y a la santé,
Batu Makansara social, les arakolia. Non, non. Même les routes font partie du social. Les transports font partie du social. Va créer un phénomène Kuluma. Kuluna biso tebe yango. Na régime abaninga na biso ya bomanga na bomauto bomana. Aujourd'hui, au moins ba petit wana, ba comme ba bâtisseur. Est-ce que pourquoi se pelater quand même? On a formé des menuisiers, des mécaniciens, des électriciens, des électroniciens. Tous ces gens-là. Non, ils va rendre bango utile dans la société. Tout le monde a raté. Et c'est belé. Dans le monde, tu as été au coup de la ligne. Tu as été au coup de la ligne. Tu as été au pouvoir pour mentir. Alors, pour vous dire comme. Parce que, notre cas, ça va être beaucoup moins à TGV. Là, il y a tout le monde en Angleterre. Révolution de la modernité. Pour une paix véritable, modeste, qu'est-ce qu'il faudra faire? Il faudra encore raconter quelqu'un en statu quo. Il y a état de siège avec le chef de l'État. En tout cas, jusqu'à preuve du contraire. Moi, j'encourage les chefs à maintenir l'état de siège. Parce que, à partir de l'état de siège, tout le monde va te bêler dans le troisième, quatrième, cinquième bureau, le GB, le Matsa, le Ndaku, le Bunga. Depuis le 16 ans. Il y avait des gens qui tiraient profit de Makamwa. Mais c'est regrettable. Surtout pour nous, les chrétiens. Comment est-ce que tu peux, babomine des konayo congolais, mongwana, yo, osso melango bandako, foutre la balle dans nos classes, mais ils vont les payer tout ou tard. Il y avait des tout-puissants dans ce monde. Est-ce qu'aujourd'hui on peut parler de Hitler? En Afrique, les Bokassa sont passés. Mobutu est passé. Il y avait des gens qui. Alors, il faut tout le temps réfléchir. Vous voyez que dans la vie, les plus forts d'aujourd'hui, si vous ne gérez pas bien votre situation, vous serez les plus faibles de demain. Je vais te donner un exemple très simple. Omoni Zanga Mobutu, il est né et grandi dans l'opulence. Des fois, Mwan a voyagé, l'avion l'attendait à l'aéroport. Donc même dans son cauchemar, il ne pouvait jamais s'imaginer qu'il allait se faire envoyer un jour par Joseph Kabila. Mais après, Joseph pouvait l'appeler. Mais ces gens-là allaient me représenter dans tel pays à 3h du matin. Voilà qu'à la mouka, à minuit, hein, à s'apprêter pas à un aéroport. Hein. Vous comprenez? Ce gars a $1000, il ne savait pas n'importe si la ranine a compte, n'importe quoi téléphone, carburant si là. Mais lorsqu'ils sont allés en exil, ce gars a $1000 dans la poche, à l'ongolissa, il fallait calculer qu'il a tiré 900 dans la poche. Vous comprenez? On s'en au bout. Parce qu'ils n'ont pas pu, entourage, bah, excès des ailes, bah, nini. Mais au moins, il y a ceux qui se sont rétractés. Vous comprenez? C'est pourquoi il faut que Nalubakango. Personne ne détient le monopole de la vie. Personne ne détient le monopole de la vie. Mauvais Chichi le Hout, comme on a souka et Mission Abisso. Une petite réflexion par rapport à congrès, parce qu'ils avaient la tenue aujourd'hui, na Parlement, pour désigner membre du Parlement na Cour constitutionnelle. Bah, il y a déjà forcing, des kalouba qui n'a qui, bon, il va procéder comme moi, plutôt pas les. Yo, point de vue, na procédure, wana. Voilà. Les vendeurs de vent, comme je les appelle. Oh, Kaloubi tout et tout. Mais Kaloubi est parti. Maintenant, on va remettre encore les choses. Tout le monde est scanné, Marocos. Dans l'état de droit. Un état de droit véritable. Non, mais dans l'obité. Dans l'obité. Mentez, il vous restera toujours quelque chose. À bon mentir, vient de loin. Bah, quand ça qui bat, oh, en violation, bah, les qui s'y troubadour, on va voir, on va chambellan là. Bah, tcha, bah, quel est le papa. Aujourd'hui, j'ai donné, Yéwana Salinini. Ok. Tous au bandé là. Et puis, bah, en tout cas, franchement, il y a des rigolos dans ce pays.
loi électorale t'a Kabila. Certaines personnes vont avoir failli. Bon, on connaît où est-ce qu'ils sont, hein, parce qu'ils représentent un bloc maintenant. Beaucoup de gens ont consensus, va trouver consensus en dehors du Parlement. Mais est-ce que vous êtes normal? Et les mêmes personnes ont des députés au Parlement, à l'Assemblée nationale. Alors, vous voulez une chose et son contraire? Bon, du moins pour Fayoulou, je sais. Alors, pas qu'on soit du pouvoir après des ans organisé par des élections. Voilà, c'est quelqu'un qui veut un état de droit. Il a des députés, Kouna. Même les autres, nos amis de Bomangana, Bomaoto, Bomana, Bazakuna, parce qu'ils savent ce qui les entend, ce qui les attend, pardon. T'es Kabila. Est-ce que vous avez dit que vous avez dit que vous avez consensus en dehors, il y en a. Avec ou ça, dis avec ou ça, machine à voter, tu peux dire, fais ton kendaki. Nous, on ne cherche pas des raisons, des faux fuyants pour se repositionner. Non, non. Quel consensus on va trouver en dehors du Parlement? Est-ce que vraiment, ils sont sérieux? Et on dit que, bah, député ou baliki kuna, bah, on va tenir dans la majorité. Bah, député Baléki, ok. Ce sont les mêmes députés qui siègent jusqu'aujourd'hui. Alors, quel consensus qui doit être trouvé en dehors de l'Assemblée nationale, pour faire quoi? Alors, quel rôle doivent jouer les députés qui sont là-bas? Et qu'est-ce qui justifie leur présence? Parce que ce sont les représentants du peuple. Modeste, qu'est-ce que Imboka a pu retenir en résumé na maïnion sur ce que cela va la mot de la fin non Tchitchileo. Merci beaucoup Ndeko Maxime, merci l'équipe Mobimana coach, même si elle a la cima caméra. Mais ce que je voulais dire, on doit chercher la paix. Et c'est ce que le chef de l'État ne cesse de faire chaque jour depuis qu'il est au pouvoir. Et je salue la démarche. Il y a Bandeko Oyo, Bakendaki Kosala, Nini Réconciliation. Quand bien même tout le monde, il y a beaucoup qui n'étaient pas là, mais il va essayer d'élargir un peu. Et puis, il faut mystifier qu'il n'y a que deux personnalités, non. Au Katanga, même partout, dans toutes les provinces, par exemple, à l'Équateur, Jean-Pierre Bemba n'est pas le seul. N'est-ce pas? Vio, tu as dit que tu es à l'Équateur. Viens à l'Équateur, Sayo. Viens à l'Équateur. Même si à ça, la maman va nini naïe. Mais la député Wapi. Quand ceux qui n'ont pas besoin de personne à l'ouvrir la gavana, vraiment, il faut avant déjà pour réfléchir. Avant déjà pour réfléchir, c'est comme les côté. Mais ton seigneur va élargir. Il y a des gens qui n'ont bon, je n'ai pas suivi, mais je crois que ça aurait été mieux associer Batoloko, Kiaboula Katwe, Fifi Masuka, Koko Moulongo, Moutom. Muyambo, je pense qu'ils étaient là, je crois. C'est ça. La réconciliation ne devrait pas se faire que par un groupe de gens, pas un petit, peut-être un grand, au détriment peut-être d'une minorité qui n'était pas là. On peut parler de la réconciliation de manière générale si on essaie maintenant à quoi englober. Nous osons croire que la démarche continue pour faire en sorte que tous les Katanga puissent parler le même langage. Et que cela soit aussi un exemple pour d'autres provinces. Ainsi de suite, que la paix, rien que la paix, règne sur notre territoire. Et nous, les DPS, nous continuons à nous préparer. Même si tu le vois à tous après, je tenais à saluer d'abord ma présidente, parce que moi je suis vice-président de la cellule Batetela à Gombe. Je salue le président, sectionnaire Albert Boula. Je salue notre secrétaire général, ainsi que tous les membres, et surtout notre chef de l'État, Fatih Beto.
Merci beaucoup. Cultivons la paix et non la, la haine et non les conflits en République démocratique du Congo. C'est sous ces mots hein, de Modeste Jutileou qui est vice-président de l'UDP section en Batetela que nous mettons un point final à votre mission Dernière Minute qui a été réalisée demain de mètre par Joe Mukenga. Je vous retrouve très prochainement. D'ici là, portez-vous bien et bonne évasion sur Congo Live Télévision. Au revoir.